Appelez Marc-Antoine à Londres. Internet est le nouveau grand média planétaire. Ce mode de communication va changer notre relation au courrier, au téléphone, à la télévision. Et c'est en 69 que les machines commencèrent à se parler. Internet, c'est une interconnexion de réseau qui a été fabriquée d'après une idée qu'avaient eu Vinton Cerf et Bob Kahn en 1973. Et Vint avait eu l'idée de décrire un seul logiciel pour que si tous ces réseaux tournent le même logiciel, on puisse les interconnecter et que si un ordinateur est connecté à l'un, il soit connecté à tous. La raison pour laquelle l'Internet est décentralisé, c'est plus une question d'architecture et de possibilité de croissance. La centralisation, ça permet un contrôle très fort, mais c'est aussi un blocage pour la croissance. On voit que les sociétés très centralisées, organisées de manière très militaire, ont des problèmes d'évolution. Alors que la décentralisation de l'Internet permet de rajouter sans arrêt de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de transmission, de nouveaux acteurs, de nouvelles compagnies. C'est ce qui garantit la croissance, c'est ce qui garantit qu'on peut croître de manière biologique, je dirais, et pas de manière militaire. L'armée américaine avait un réseau centralisé. C'était la manière normale de faire du commandement militaire dans les armées occidentales jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Toutes les informations remontent au quartier général et le quartier général les dispatche ensuite. Ils se sont aperçus que ça, à l'époque de la bombe atomique, c'était très dangereux. Parce qu'il suffisait d'une bombe atomique sur le quartier général pour que l'armée soit incapable de communiquer. D'où l'idée de faire un réseau décentralisé qui leur permette de communiquer même s'il n'y a plus de quartier général. En entendant ça, les Shadok furent un peu étonnés, mais l'ordinateur continuait. Comment ça marche? C'est très simple. On prend un ordinateur et on prend un câble. Par exemple, j'ai ici un ordinateur, un câble. On le branche. Opératrice 15, j'écoute. Et on fait tourner un programme avec un modem, avec des logiciels, pour envoyer des données depuis cet ordinateur au relais suivant de l'Internet. Les données sont équipées d'un numéro, d'une adresse Internet. Enfin, l'électronique va s'efforcer de remplacer l'intelligence de l'opératrice par un calculateur assisté de ses mémoires temporaires et permanentes. Et donc, chaque paquet de données avec son adresse va être véhiculé de relais en relais jusqu'à la destination finale, un peu comme un courrier serait véhiculé de centre de tri en centre de tri jusqu'à la boîte aux lettres du destinataire. L'Internet s'est développé en trois phases. De 1973 à 1983, une phase de développement de la technologie dans des laboratoires. Il n'y avait à l'époque pas d'utilisateurs, ou en théorie, uniquement des utilisateurs expérimentaux. De 1983 à, disons, 1993, on a eu un développement dans des réseaux universitaires. Et en fait, à partir de 1989, mais culminant en 1993 avec l'arrivée du web, on voit maintenant une troisième phase où il s'agit non plus de connecter toutes les universités du monde, mais tous les ordinateurs du monde. 5 millions de Minitel sont aujourd'hui chez vous. C'est tout un monde de services en direct et chaque jour de nouveaux services. Au début, ça m'a paru difficile. Puis, c'est très simple. Puis, ça rend tellement de services pour mes courses, pour mes horaires de train, mon compte en banque. Il y a deux différences principales entre l'Internet et le Minitel. Première différence, une notion de version de technologie.
le fait que l'Internet est multimédia, qu'on a des images, des données, parce qu'on utilise des ordinateurs, à la place d'utiliser un terminal conçu en 1980. Deuxième différence, le fait que l'Internet est symétrique. Donc on peut, par l'Internet, avec le même ordinateur dont on se sert pour accéder au réseau, publier de l'information. Alors déjà, il y a le courrier électronique qui est en fait la chose la plus importante. C'est-à-dire que bah, au lieu d'écrire sur papier et d'envoyer à Toto, j'écris mon courrier sur mon ordinateur et je l'envoie à Toto n'importe où dans le monde. Ensuite, on a les news qui sont en fait des groupes de discussion. Des gens se sont dit, bah, au lieu de s'envoyer des lettres un par un, moi j'aimerais bien discuter de la culture de la choucroute en Basse-Bretagne. Donc on s'est dit, on va créer un service dans lequel il y a un endroit où tous les gens qui veulent parler de la culture de la choucroute en Basse-Bretagne vont pouvoir parler entre eux. C'est pas un média de broadcast, c'est-à-dire c'est pas comme la télé où j'ai un émetteur qui envoie à des millions de personnes. J'ai des millions d'émetteurs et des millions de récepteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'oblige personne à accéder à ce broadcast. Sur ma page maison, comme disent les francophones, donc j'ai mis ma photo, quelques petits textes, un bout de CV. Et sinon, comme bah, service, entre guillemets, c'est-à-dire des choses que je sais faire et que j'ai envie de distribuer aux autres, bah, j'ai mis quelques recettes de cuisine. Il y a aussi trois éditions d'un journal qui s'appelle No Way, qui est un journal de hackers français, en français. True story. Seven strangers. Seven strangers. Quand on dit surfer sur le net, c'est lié à un des derniers outils, un des derniers services d'Internet qui est le web, le World Wide Web ou W3. Les gens qui ont inventé ça, ils ont trouvé un moyen en fait, de donner une adresse à n'importe quel document sur ce réseau mondial. Et en fait, c'est de l'hypertexte dont la lecture peut être interrompue à tout moment parce qu'il y a des petits mots qui sont soit signalés par une couleur différente, soit des images sur lesquelles on peut cliquer et qui vont t'emmener soit sur un autre texte, soit sur une autre image qui se trouve pas forcément sur la machine sur laquelle tu es, mais qui peut se trouver n'importe où dans le monde. L'interactivité sur Internet, c'est par exemple, on est dans un web, on te demande de réagir sur ce que tu as vu, d'envoyer un message, de participer à la construction de l'histoire, etc. Donc il y a des villes sur Internet, des villes complètement imaginaires, enfin, avec des plantes, ça, on peut entrer dans des communautés, c'est assez fascinant, quoi. J'appuie ici pour rentrer dans World the Way. Sur les côtes se trouve le premier village des pionniers de l'espace cyber. Nous en aurons un aperçu dès que vous aurez créé votre personnage online, que nous appelons Avatar. Vous pouvez construire l'apparence de votre choix parmi une grande sélection de corps, de vêtements, de têtes et d'accessoires. Vous êtes superbe. Allons-y. Chaque avatar est une personne réelle, comme vous. Considérez-les comme vous le faites dans le monde réel. And they would say, hi, welcome to Habitat. Say, you really look great, all except for your head, which looks really boring. Hey, I have a wonderful, interesting looking head here. Why don't you take yours off and try it on? They would take their heads off and put them on the ground, whereupon the other person would pick up the head and run away. That was how the band of thieves got started. En tapant sur une touche de votre clavier, vous pouvez exprimer tout ce que vous ressentez. En 1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. We all live in the age of information. Everything about us is encoded somewhere.
on a complex network of information. Sans aller sur la traque sur Internet, on a vu ça à l'occasion du procès OM Valenciennes, où le juge est allé chercher les archives d'un central téléphonique, les archives des péages d'autoroute, pourquoi pas des archives de cartes bleues. Plus on laisse d'informations comme ça, et plus on laisse les ordinateurs qui ont ces informations être contrôlés sur le réseau, plus on se rend vulnérable. I just need Woody out of the way there. Out of the way. C'est de la donnée électronique, je peux copier, 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 où je veux. Avant, on pouvait à la rigueur aller buter le type qui avait les photos et les négatifs. Mais maintenant, si ça arrive quelque part une fois, c'est copier, copier, copier. L'information disparaît plus. The internet is probably the second greatest tool of American cultural imperialism. After the Hollywood TV axis. This really is a way that we spread our zeitgeist over the rest of the planet. Control the world. And you know, if the internet really works, we'll probably make everyone speak English. No, we won't make them speak English. We'll make them speak American. Instant access to information will increase productivity, will help to educate our children, it will provide better medical care, it will create jobs. And I call on the Congress to pass legislation to establish that information superhighway this year. It suits our national ends. It's advantageous to us. We know it better than anybody else. You know, as it spreads, we spread. It spreads our values. It spreads our ideas. It spreads our concepts. It spreads our industries, you know, our web pages, our promotion. Internet n'appartient à personne. On a un certain nombre de réseaux qui sont interconnectés. Mais l'Internet, c'est une création de l'esprit, c'est un concept. C'est le fait d'avoir interconnecté tous ces réseaux ensemble. Whenever you tell me. Okay, do it now. Okay.